Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un récapitulatif des travaux d'entretien que j'ai fait au potager, ainsi qu'un aperçu des récoltes du mois de juillet. À première vue, c'est satisfaisant. Mais ce n'est pas toujours rose au potager. Alors j'ai laissé monter en graines une feuille de chêne Red Bull et maintenant je vais pouvoir commencer à récolter les graines. Donc assez simplement, là je vais attraper ça, je vais tirer et puis hop, je vais mettre les graines dans un petit récipient. Voilà, j'en ai pas récolté beaucoup, hein, mais c'est normal, ils sont pas tous ouverts. Alors il m'en reste quand même qui sont à ouvrir, hein. Donc je vais surveiller ça tous les jours. Alors là ça y est, je commence à avoir quand même pas mal de pompons, même si j'en ai déjà récolté. Et donc là sur ma feuille de chêne Red Bull qui est montée en graines, et ben là maintenant je vais la couper et puis je vais la mettre à sécher tête en bas dans un sac en papier. Là j'ai du travail. Donc ça c'est les échalotes. Je pense que là vous allez les apercevoir. Donc elles sont envahies par le liseron. Alors ça y est, j'ai désherbé et voilà, j'ai fait mes tuteurs. Alors je veux pas qu'ils aillent trop sur le quadrillage derrière parce que je pourrais pas récolter de l'autre côté. Donc du coup j'ai fait cette structure là en sachant que j'avais déjà planté des haricots verts au milieu des échalotes. Et donc l'idée c'est que je puisse quand même accéder par là et que j'ai pas des barres qui me gênent pour récolter et que quand même ils puissent se monter. Alors comme mes framboises commencent à prendre pas mal d'ampleur et que si je les laisse faire je pourrais bientôt plus passer ici parce qu'on voit qu'il y a des grandes tiges quand même et que j'ai des piquets que la terre est bien mouillée, eh bien je pense que je vais planter des piquets là et puis comme il y a des trous dedans, je vais tendre quelques câbles métalliques pour contenir les framboisiers dans ce coin là. Bon ben voilà, là je viens de positionner mon piquet et puis et ben je l'enfonce. Alors je l'ai mis un petit peu en retrait, hein. C'est comme je veux tendre mon câble pour rabattre vers l'intérieur un peu. Donc voilà, j'ai planté tous mes piquets. Maintenant je vais mettre le câble. Donc voilà, donc j'ai mis mon câble là. Ici, hop, et du coup si on regarde c'est quand même un peu mieux. Chaque début de mois je récolte un panier entier d'aromatiques et je les mets à sécher dans mon légumier. En général au bout de 20 jours c'est bien sec et donc ensuite je peux les effeuiller et les mixer légèrement pour les conserver dans un bocal. Ensuite j'ai encore ça. Bon, ça c'est de la sarriette. Et puis ça, bah, c'est du romarin. Voilà. Donc voilà, j'ai fini d'effeuiller. Voilà, ça me fait à nouveau un saladier et puis toutes les petites branches. Et là, c'est la marjolaine que j'ai récoltée le 6 juillet. Aujourd'hui, on est le 24. Donc, c'est bien sec. Alors pour les framboises, je pars les moins belles et je les congèle au fur et à mesure. Et quand j'en ai au moins 1,5 kg, eh bien je fais une confiture avec le même poids de groseille. Et là j'ai pu faire 6 pots de confiture framboise-groseille. Alors malgré le mildiou, je réussis à avoir une mini production de tomates, ici des stupis. Alors heureusement il y a les fruits rouges qui sont bien là. Et les pommes de terre, belles de Fontenay. Donc sur mes deux buttes de compost, on a pu récolter plus de 6 kg.
En fait, on en mange 2 à 3 fois par semaine, sauté à la poêle. Alors, les derniers choraves ont été récoltés début juillet. C'est une culture que je referai parce qu'elle est courte et en plus, on aime bien ça. Alors, fin juillet, je commence ma première vraie récolte de myrtilles sur les 2 pieds. Comme il y a un des pieds qui est juste à l'entrée d'un nid de guêpe, j'y vais assez prudemment. Et pour le moment, les merles et les autres oiseaux du jardin n'ont pas encore repéré les myrtilles et je n'ai pas eu besoin de mettre un filet. À la place de la tomate Paul Robesson, j'ai pu mettre 2 pieds de cornichons dont j'avais commencé la culture en pot. Bon, ils ont bien supporté la transplantation, mais aussi le retutorage. J'ai commencé mon premier bocal de cornichons courant juillet, je pense plutôt vers la mi-juillet, et chaque jour, j'en récolte 3 ou 4. D'ailleurs, voici la seule tomate Paul Robesson que j'aurai en 2021. Elle a fini de mûrir dans le légumier une fois que j'ai eu enlevé le pied de tomate. Alors les courgettes rondes de Nice, semées mi-avril et plantées mi-mai, elles ont commencé à produire début juillet. J'en récolte à peu près une tous les 2 jours, sachant que j'ai 2 pieds de courgettes. Alors malgré tout, j'ai du surplus, parce que ça produit quand même pas mal, et je congèle soit des courgettes farcies ou des barquettes cuisinées. Alors aujourd'hui, on est le 13 juillet et donc j'ai regardé, voilà son mur. Alors comme j'avais planté mi-avril dans la serre, les premières tomates peuvent arriver à maturité là courant juillet. Mais si on dépasse les 10 kg de récolte cet été, ce sera bien étonnant. En attendant, on savoure encore plus le peu de tomates du jardin que nous avons. Bon, là, j'étais en train de rattacher des tiges qui étaient en train de tomber. Puis du coup, je regarde un peu mes tomates rouges. Alors ça, c'est l'Anna Russian. Mais sauf que, en penchant un peu plus, ce pied-là, c'est vraiment à la base. Et donc, je pense qu'il va falloir que je récolte mes tomates avant que ça arrive dessus. Voilà. Je pense qu'elles n'auront pas tout le temps de mûrir. Voilà ma récolte d'Anna Russian. Donc tout ça, j'espère qu'elles vont pouvoir mûrir tranquillement dans le légumier. Et puis maintenant, je vais pouvoir arracher ce plant-là. Bon, là, je pèse les Anna Russian. Donc, j'ai mis 3 kg là, de l'autre côté. Donc, on peut dire qu'il y a 3 kg de tomates vertes Anna Russian. Et ce matin, le 25 juillet, donc première récolte de haricots verts, toujours les myrtilles, les fraises et puis les cornichons. Donc ça pointe, mais c'est pas très rapide, il y en a plein en formation. Alors en conclusion, le potager est toujours plein de surprises, bonnes ou mauvaises, mais globalement on réussit à se régaler avec nos fruits et légumes. Bon, j'espère que vous réussissez aussi à entretenir votre potager et à avoir de belles récoltes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.